Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à installer WinDirStat, qui est un outil extrêmement utile quand vous faites des projets Git. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement utile? C'est parce que il va nous permettre de trouver les gros fichiers volumineux. Qu'ici, vous voyez que j'ai cliqué sur télécharger le logiciel, ça nous amène à SourceForge. SourceForge, c'est un site web qui répertorie les logiciels open source et qui permet de garder une archive de ces logiciels open source au cas où s'ils disparaissent. Donc voilà, on a notre projet ici, WinDirStat, qu'on va pouvoir exécuter. Il nous demande l'autorisation, on dit oui. On accepte, on passe à la suite. On laisse tout comme il est, et on installe le logiciel. Alors maintenant qu'il est installé, ça va nous permettre de faire un truc assez intéressant. Next. Voilà, run, oui. Voilà. Donc nous avons ce magnifique logiciel ici qui s'ouvre et qui nous dit est-ce que vous voulez scanner votre ordinateur à la recherche du fichier? Nous, ce n'est pas l'ordinateur qu'on veut scanner, c'est le dossier de notre projet de jeu vidéo. Quoi dire, un dossier. Et on va aller choisir le dossier ici qui est dans ce PC. C'est U pour Unity. Bullet L, c'est le projet où on est pour le moment. Et moi, je ne veux pas trouver les gros fichiers qui sont dans librairie, OBG et tout. C'est des fichiers temporaires. Nous, c'est les fichiers qu'il y a dans notre jeu. On va aller dans Asset, ici. Et on va dire OK. Donc là, on va dire, peux-tu moi scanner le dossier Asset à la recherche de tous les gros fichiers? On va dire oui. Et il va nous trouver plein de gros fichiers. Voilà. Donc là, pour le moment, voilà la répartition en taille de mon projet. J'ai un asset qui s'appelle Science Fiction Machine Gun qui fait 139 mégaoctets. Il faut savoir que la limite de Unity pour stocker des fichiers avec Git, c'est 20-25 mégaoctets, c'est déjà bien lourd comme objet. 50, c'est la limite généralement sur les serveurs GitHub, sur les serveurs de Git, GitLab et autres. Et GitHub, dans certaines conditions, accepte des objets de moins de 100 mégaoctets. Donc déjà, celui-là va poser problème dans notre répertoire Git qu'on va créer. Donc on ne peut pas avoir des objets qui sont si lourds dans le jeu vidéo. On va cliquer dessus et on va faire « Delete ». Voulez-vous le supprimer? Oui. Voilà. Celui-là va être supprimé. Alors, est-ce qu'il va se rescanner? Voilà. Donc, on a les suivants. Les suivants, c'est une texture d'astéroïde qui fait 14 MB. Le truc, c'est est-ce que j'ai besoin de cette texture-là? Oui et non. Si, j'en ai besoin. Donc, on va la garder. Celui-là, c'est l'astéroïde. Celui-là, c'est Star Wars Imperial GLB. Déjà, le GLB, c'est le format de base du vaisseau. Et GLB, il est déjà pas lisible par Unity. Donc, il n'a rien à foutre dans mon projet Unity. Donc, on peut le supprimer. Voilà. Il me reste une grosse case là-bas à voir. Donc, on a notre texture, le truc ici. On a ici un FBX qui fait 4. Ah, ça va, 4, ça passe. 9, c'est le destroyer, mais on a bien besoin d'avoir notre destroyer dans le jeu. Mais par contre, en fait, ce destroyer-là, c'est un destroyer qui était mal foutu, je l'ai mal géré. Donc je supprimerai bien, en fait, carrément ça. Parce que le destroyer, je l'ai pas bien géré. Sur mon autre ordinateur, je l'ai bien géré, mais pas là-bas. Donc voilà, donc là, on a pris notre projet et on l'a nettoyé de tous les gros fichiers. Donc là, pour l'instant, le plus gros dossier que j'ai fait 32 mégaoctets et dedans, le plus gros fichier fait 14,7 qui est la texture de l'astéroïde. Si on voulait réduire la texture de l'astéroïde, on se dit, ouais, mais attends, c'est quand même juste une astéroïde. Enfin, explorer ici. On va ouvrir la texture avec soit Krita, soit avec Paint. Comme ceci. On va voir qu'il y a une magnifique texture d'astéroïde. On va faire redimensionner. Pixel. On voit qu'elle est en 4000, ou 4000 c'est largement trop pour une astéroïde. C'est bien si on veut une belle astéroïde, mais nous on veut juste une bête astéroïde. On va faire 1024, ce qui reste encore assez grand. Hein. Franchement, il y a encore bien assez de texture pour une astéroïde. Voilà, et en l'ayant sauvegardé, maintenant elle ne fait plus que 1 mégaoctet. Tadam! Du coup, celle-là fait 1 mégaoctet. Celui-là, on ne peut pas le réduire. Celui-là non plus. Et donc voilà. Donc voilà, WinDir, c'est un outil très pratique parce qu'il va vous permettre de savoir où vous perdez de la mémoire. Par exemple, si vous voulez trouver les films qui prennent beaucoup de place sur votre ordinateur,
Vous faites WinDirStat, vous visez votre ordinateur et vous allez trouver directement tous les endroits où vous avez les gros films qui prennent 3-4 Go sur votre ordinateur. Et donc vous allez gagner énormément de place en les supprimant ou en les retirant sur un autre disque dur externe. Et donc voilà, c'était une petite présentation de WinDirStat qui est très très pratique comme outil. Je vous souhaite un bon code, une bonne création de jeux vidéo. À la prochaine vidéo!